Bonjour les Guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine du 22 au 28 novembre 2021. Voilà, on y va avec. J'ai pris plusieurs jeux, je ne sais pas, je vais voir au fur et à mesure de quel jeu je vais me servir. Mais on va commencer avec une petite carte des heures miroirs. Comme ça, je fais un petit rappel aussi si vous avez envie de faire des petits cadeaux de Noël. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc celui-ci, c'est à Fanny. Fanny Féerie Cartomancie. Je vous mettrai donc le lien en sous la vidéo. Et on va y aller. Je fais la pub. Oui, je fais la pub. On y va pour les énergies de la carte, qu'est-ce que ça va nous dire? Et en même temps, vous saurez avec leur miroir qui est indiqué ce que ça voudra dire quand vous le verrez. Ces chiffres. Allez, hop. On y va. Et ce sera celle-ci. J'avais lu l'orage. L'ancrage 0505. 0505. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons. Je recommence. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. L'ancrage. On ne l'a pas déjà eu, ça? Il me semble, non? Donc 0505, 5h05. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. Bon, voilà. Ah oui, ils sont un petit peu sortis. Il y en a quelques-uns qui sont venus là. Ils sont pas encore tous là, je pense pas. On va rien. Voilà, donc là c'est le coffret des heures miroirs, le petit oracle des heures miroirs de notre amie Fanny Ferry Cartomancie. Nous allons aussi tirer la plume parce que je sais que vous aimez beaucoup. Donc la plume de l'oracle, les plumes d'Hugo de Fabio, les plumes de Fabio. De Fabio. Et hop là. Allez, il n'y en a pas qui tombe, alors on prend celle-ci. Et nous avons la plume de la pie. Symbole de guérison. Annonce le bonheur et l'évolution. Voilà, la plume de la pie. Blanche et noire apparemment ici. Voilà. Alors, les amis, ça sera sous la vidéo aussi. Et c'est aussi à Fanny. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Fanny Ferry Cartomancie. Je vais utiliser des petites cartes pour se mettre dans l'ambiance de la semaine avec l'élite oracle de notre amie Sarah. Donc, je fais la pub pour tout le monde aujourd'hui. Guidance cœur à cœur. Donc, il lui en reste encore, donc vous pouvez éventuellement aussi aller visiter le site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est les fêtes, donc il faut se lâcher, hein, mes amis. Alors, je vais. On va voir. Alors, nous avons la carte de l'union. La carte du temps.
Donc c'est des énergies globales et générales ici, d'accord? Une partie, je ferai l'autre partie avec le tarot. Ouh, la tierce. La tierce. La transformation, je vais les remettre comme ça parce que c'est comme ça que je voulais les mettre à la base. La transformation, l'abondance. Et le voyage. Ok. Dos de deck, on a la carte de l'été, mais comme c'est une carte de saison, on va prendre une autre et nous allons prendre le manque. Ok, on a le manque ici. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, pour certaines personnes, effectivement, ça nous parle du mariage, d'une union, d'une relation. Alors, peut-être que la relation existe, mais peut-être aussi qu'elle n'est pas encore là. Il y a quelque chose, en tout cas, dans votre relation, il y a quelque chose qui fait que vous attendez quelqu'un. Ici, ça va me parler beaucoup pour les gens, parce que j'ai une tierce personne, donc c'est plutôt pour les triangulaires ou pour si vous attendez quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre. Si vous attendez que cette personne-là quitte son mari ou sa femme, je vais dire pour vous, ça peut vous concerner en tout cas. Mais ici, vous êtes vraiment peut-être dans l'attente depuis un certain temps. C'est bizarre parce que ce que vous voulez en fait, c'est qu'il y ait une transformation, qu'il y ait une transformation de cette personne, une transformation des énergies. Vous ne voulez plus vivre. Donc ça parle vraiment pour une catégorie de personnes ici. Donc vous ne voulez vraiment plus vivre cette situation, vous ne voulez plus rester dans cette situation qui est vraiment désagréable. En tout cas, dans votre couple, soit vous êtes seul et vous attendez donc le couple, mais en tout cas sinon de toute façon ça nous parle de temps. Vous pensez que le fait de gagner du temps, vous voulez gagner du temps, vous voulez perdre du temps, ça va dépendre de ce que vous désirez, mais en tout cas vous avez un but et le but pour arriver à vos fins, il vous faut jouer avec le temps. Ici, j'ai dans l'opportunité, j'ai la tierce personne. Pourquoi est-ce qu'elle est dans l'opportunité, celle-ci? Ah, dans le choix. Ah, donc ici, il y a probablement... Alors, ça peut être aussi pour une triangulaire, mais ça peut être aussi pour autre chose. Donc, ce que je ressens, j'ai d'autres ressentis. Donc, ça peut être, oui, pour une troisième, une tierce personne, mais ça peut être aussi par rapport à un travail. Donc, il y a un choix qui va être fait dans votre couple. Il me parle bien à ce tirage-là. Je vais continuer avec celui-là plutôt qu'avec le tarot, je crois. Donc, il y aura, donc, des choix à faire, des chemins à choisir, des situations à prendre en compte, à tenir en compte. Ouais, vous devriez peut-être, alors non, parce que je n'ai pas à vous conseiller, mais peut-être, il y a deux choses, hein. Faites peut-être attention à quelqu'un qui voudrait devenir votre ami ou votre amie, parce que cette personne va peut-être faire ça pour s'immiscer, rentrer chez vous, juste pour être chez vous. Donc ça, soyez quand même vigilants, mais il est possible qu'il y ait qu'une amitié soit une amitié qui vient, enfin quelqu'un qui viendrait vers vous par profit. Alors peut-être par rapport à l'amour, mais peut-être aussi par rapport à ce que vous possédez, à vos biens, et peut-être aussi par rapport à ce que... à votre famille, à votre couple. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut
quelque chose que vous avez ou qui veut prendre votre place. Donc, faites attention. Ah, vous voilà. Vous voilà. Je vais vous mettre là. Vous êtes ressorti. Enfin, madame, voilà madame. Si monsieur ne sort pas, c'est monsieur, c'est le consultant ou la consultante. Ça tira général. Donc, ça peut être les deux. Si on a le monsieur, on verra. En tout cas, de toute façon, voilà. Vous êtes ressorti. Et ça parle d'argent. Donc, en fait, je pense que la personne... Il y a quelqu'un qui en veut, en tout cas, à vos biens. Et, ou qui va vous demander de l'argent. C'est possible aussi. Qui va vous demander de l'argent. Il est possible que ce soit quelqu'un... Qui viennent vous demander quelque chose, qui vous n'allez peut-être pas voir le négatif dans cette demande tout de suite, mais parce que c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre foyer. Oui, ça pourrait même être un enfant, voire un parent, mais aussi, il est possible aussi que ce soit quelqu'un de votre famille. On a la carte du danger et la carte du conflit et la carte de la trahison. Donc vraiment, ici, il faut vraiment faire attention. Il y a quelqu'un qui essaie, qui va essayer en tous les cas de vous prendre quelque chose qui vous appartient. Il y a vraiment ça, il y a vraiment... Donc, je vais les mettre dans l'ordre pour moi. Donc voilà. Sinon, mis à part cette personne-là, ici, vous êtes déjà ou vous allez vraiment vers peut-être un nouveau commerce qui va, parce qu'il y a des transformations pour le moment qui vont se faire, donc vous allez mettre en place quelque chose de nouveau qui peut être un nouveau commerce. En tout cas, vous allez retrouver votre équilibre. Ça peut être aussi un équilibre retrouvé grâce à la justice, grâce à la justice ou grâce à de l'administratif qui se règle, de l'administratif qui va se régler. Donc voilà. Alors, on a l'argent, on a le bonheur, on a l'abondance, on a le foyer. Donc si ce n'est pas le cas chez vous, c'est en train d'arriver, il y a quelque chose qui se met vraiment en place. On a vraiment ici, vraiment, on est ici en plus dans la partie de la force. Donc, on a quoi dans la force? Qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance, on a l'argent. On a l'abondance. On a l'argent. Le bonheur. Et le foyer, la maison, un bien immobilier, ou là où vous habitez, ou votre famille. Voilà, donc de toute façon, il y a vraiment de très très belles choses qui se mettent en place pour vous. Et là, j'avais l'automne, voilà. Donc, je ne sais pas, l'automne est tombé, donc je la mets là. Et on a des études. Donc, il est possible aussi que par rapport à tout ça, il y ait une forme de formation que vous allez faire, peut-être... Ou alors, il y a des écrits, changement, déménagement aussi. Des écrits, je veux dire, par rapport à l'argent, bon, ça peut être aussi un héritage, ça peut être... peut-être que justement, l'héritage va vous apporter tout ça, peut-être. On va... Les choses s'arrangent, en fait. Donc, on trouve ou on retrouve un équilibre financier, sentimental, familial. Une abondance, on trouve un équilibre par rapport au travail aussi. On retrouve un équilibre. On transforme, il y a les choses qui se transforment. Et je vais
je voulais remettre sur le temps. L'union, j'ai pas envie d'y toucher parce que voilà, c'est une belle carte. Mais en tout cas, sur le temps ici, le temps va vous permettre ou vous a permis de progresser de toute façon. Et financièrement aussi. Il y a un progrès, il y a quelque chose, une évolution financière aussi, d'où des changements, évidemment. D'où des changements. Il parle fort aujourd'hui. Hein. Tu vois qu'il parle pas. Il ne parle pas fort d'habitude, mais il parle fort. J'ai une réconciliation. Donc, si vous visez une réconciliation, j'ai effectivement une réconciliation. Et on a la clé. Donc ici, si vous... Voilà, à l'amour ici, avec l'amour, avec l'union, on a... Donc, si ça ne va pas, il y a une réconciliation. Et la clé, donc, on a... on peut continuer, on peut avancer. On a la clé de la réussite. On a des idées. On a la solution aussi. Voilà. Par rapport donc à une union. D'accord ? Voilà. 3, 3. 3. 4. 4. Et puis, en finalité, on a la carte du voyage, mais qui pour moi représente la carte du monde du tarot. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et puis là, j'ai le printemps. Non, je ne vais pas la mettre là. J'ai la santé. La santé, je peux la mettre là. La protection. Ah, les peurs, peut-être. Les peurs. Ah oui, vous savez. Ok, ok, ok. Le travail. Il y a, pour certaines personnes, vous avez peur qu'on travaille sur vous, en fait. Regardez, j'ai la lune ici. Donc, vous pensez peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on travaille sur vous. C'est possible. En tout cas, non. Oui, c'est possible que vous le pensiez, mais ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas le cas. Peut-être pour certaines... Oui, peut-être dans certaines personnes parmi vous, mais... En tout cas, d'après ce jeu-là, non, ce n'est pas ça. Vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes protégé. On a eu la carte du printemps tout à l'heure, je crois. Non, la carte du printemps, la carte de l'automne. Oui, la carte de l'hiver, je l'ai vue tout à l'heure. Donc, ok. Donc, on a la peur, le travail. Peur d'être renfermé, peur de ne pas pouvoir sortir. Peur de... Vous allez retrouver une stabilité aussi. Si vous êtes dans des énergies, justement, de peur, de vous poser des questions, on a la Terre, on a la Lune. Donc, et on a ici vraiment la stabilité. La stabilité. Et puis, on a ici l'amour. Voilà. Bon, je continue. Je prends encore une et puis c'est tout. On a la surprise. On a la grossesse. Et l'espoir. Bon, j'arrête. Elles sont toutes belles. Et l'espoir. Voilà. La nouveauté. Bon, j'arrête. La communication. Allez. C'est bon, parce que sinon, on va faire tout le jeu. Voilà. Donc, il est juste magnifique. Donc, ici, cette semaine, ça va être une semaine de... On retrouve son équilibre. On retrouve son libre arbitre aussi. On est protégé. Si vous pensez qu'on travaille sur vous, non. En tout cas, il y a une protection, il y a une stabilité, Donc les peurs, il y a peut-être certains d'entre vous ont peut-être encore des peurs, mais elles vont partir, parce que vous allez voir que finalement, il n'y a pas de raison d'avoir des peurs, et vous allez pouvoir vous ancrer réellement. Et puis voilà, attendez, qu'est-ce que j'avais pris? Comme ça, je crois. Je sais plus. La communication, elle était autre part, mais c'est pas grave. Donc voilà, ici, donc le commerce, il y a un commerce, c'est la partie
travail, etc., on est en train, donc, il y a des choses qui se transforment. On met aussi des choses en place avec l'administratif, de ce côté-là. Et on retrouve un équilibre aussi, enfin, avec le boulot, on retrouve un équilibre. Financièrement, ben, c'est parfait. Il y a les choses s'arrangent, ou les choses sont toujours bonnes. Oui. Faites attention, parce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de s'introduire chez vous, la tierce personne ici, et il y a des choix. Il faudra vraiment que vous soyez vigilant, parce qu'il y aura des choix que vous allez devoir faire par rapport à une amitié qui pourrait naître. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit? Danger. Querelle, on va dire, là c'est les conflits. Et la trahison. Il y a quelqu'un qui va vous trahir si vous ne mettez pas des barrières. Voilà. Vous le savez, donc. On a la carte du printemps. Et donc. Bon. Effectivement, là j'ai la cigogne. Oui, changement, déménagement aussi éventuellement. Grossesse, il n'y a rien à faire. La cigogne parlera de grossesse, de déménagement. J'ai aussi de l'administratif. Et pour votre maman peut-être, ou pour votre une personne qui est maman en tous les cas, il y a de l'administratif. Il y a quelque chose de... Bon, d'ailleurs, le printemps, c'est la renaissance. Effectivement, ici, donc, il y a quelque chose, il y a un projet qui mûrit. Peut-être qu'il est, il est presque à terme. Et puis, on a une surprise aussi, si vous êtes seul, par exemple, ben voilà. Il y a vraiment quelque chose qui s'est enclenché déjà. Et on a ici le cadeau, la surprise. Mais la surprise, peut-être pour certains, c'est juste de rencontrer l'amour. Voilà, l'amour. Donc, on a l'espoir, on a les choses nouvelles qui se mettent en place et on garde... Peut-être ce que vous devez faire, c'est toujours être aussi à l'écoute l'un de l'autre. Donc, pour moi, c'est parfait. C'est parfait. Voilà, ben les énergies ici, franchement, tout est parfait. Le danger, c'est une personne. Si vous y faites attention, cette personne, elle ne pourra absolument rien vous faire. Puisque vous prendrez vous-même, vous le savez, donc vous n'allez pas accepter cette amitié. Ou vous allez être plus vigilant, vous allez vous rendre compte que cette personne-là, finalement, je lui ai donné mon amitié, mais franchement, non, 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 je vais faire attention. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça, ok? Donc ça, ce seront les énergies de cette semaine. Finalement, je ne pensais pas que l'oracle allait me parler autant. Donc là, oui, il parle bien. Donc, je n'ai pas besoin du tarot pour voir d'autres énergies. Et on va y aller. Donc, ici, on a vraiment fait tous les domaines. On est dans le domaine financier, dans le domaine amoureux. Dans le domaine du boulot. De changement, déménagement. Voilà, on est dans la triangulaire aussi, éventuellement, pas quelque chose de nouveau. Il y a une personne qui essayait de vous faire du mal, on va dire ça comme ça, qui va devenir absolument impuissante. Elle ne pourra plus vous atteindre. Si vous pensez qu'il y a une personne qui travaillait sur vous, non. Je reviens, vous juste voulu la trouver. La lumière. Alors, ici, j'ai par rapport à quelqu'un qui subirait une rupture. C'est la chance, c'est bizarre, mais la rupture, c'est la chance ici.
C'est une chance pour vous, cette rupture. Parce que... Parce que vous étiez avec quelqu'un qui vous faisait du mal. Et vous avez peur de vous retrouver seul, en fait. Et c'est pour ça que vous acceptiez... Ah oui, c'est ça que j'ai eu. La stérilité et le serpent. Donc, la stérilité, il n'y a rien qui pousse. Et le serpent. Le serpent pourrait être la tierce personne, pourrait être la personne qui vous veut du mal. Et on a les masques. Donc, les masques tombent. Peut-être que vous allez découvrir qui c'est cette personne qui vous veut du mal. Tristesse, illusion. Donc voilà. Les nouvelles et la sagesse, je les ai. Donc voilà. Donc ici, il y a les masques qui vont tomber. Il y a une personne. Alors, c'est la personne qui va être triste et qui va avoir des illusions. En fait, c'est une personne, pour moi en tout cas, vraiment, c'est une personne qui croit qu'elle a des pouvoirs. Et elle va se rendre compte, pour une raison ou une autre, qu'elle n'en a pas ou qu'elle n'en a plus. Donc, ça peut être ça. Voilà, bon, j'en ai dit beaucoup là. Hein. Et alors, on va prendre le Line of Love pour l'amour. Allez. Donc, on a eu des énergies d'amour ici. Ici, on va vraiment, mais, et de tout. Donc, ici, on va vraiment se focaliser sur l'amour. Alors, on a un cœur blessé. Le cœur blessé, ça ne veut pas dire non plus une rupture. Ça veut dire un cœur blessé, ça veut dire quelqu'un qui a une certaine tristesse. C'est pas spécialement une tristesse de... Ah, c'est une tristesse de solitude. Il y a un monsieur qui vous manque, ou une madame... Ah, vous devez lâcher prise, les amis. Vous voulez une réconciliation. Peut-être, vous dites que c'est pour les enfants, certains. Non, ça sera pas. Ou alors, vous pensez que vous allez vous réconcilier... Tous les deux, peut-être, vous le pensez. Mais ça sera éphémère et vous vous verrez peut-être juste en secret. J'ai une relation qui ne va pas être... une relation qui ne va pas être mise à jour, mise au jour. C'est une relation, vous pensez que cette relation allait grandir, elle va peut-être grandir, mais c'est pas maintenant que vous allez vous montrer ensemble, pas encore. On a le consultant. La nouveauté, le lâcher prise, la réconciliation, l'enfant, le savoir, la compréhension, la peur. Oh, c'est marrant, on a la cage aussi. Si je ne m'abuse. Et la maison. Alors, consultant, consultante, ici, au milieu du jeu, elle est sortie, elle est tombée, la carte est tombée, et on retrouve, regardez, on a ici le monsieur, on a l'équilibre et on a la madame. Je prends le... On a
la chance, et puis on a le côté positif. J'arrête parce que sinon je vais pas pouvoir sortir tout. Ah, vous voyez le secret. On garde quand même le secret ici. Donc ici, on sait déjà que par rapport à l'amour, il y a vraiment de la positivité. Mais il y aura encore des choses qui vont rester secrètes. Je vais les mettre là parce que j'aime bien de les voir quand même. Voilà. Il y a des choses qui vont rester secrètes. Oh oui. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Il y a un nouveau rendez-vous ici qui est programmé. Il y a un nouveau rendez-vous qui est programmé pour vous. Il y a un nouveau départ. Et vous avez peur de vous lâcher. Mais lâchez prise. Lâchez prise. Sinon, ça va, vous n'allez jamais avancer. Pour certains, c'est une réconciliation qui doit venir. Et peut-être qu'on va dire on se réconcilie pour les enfants. Peut-être. On a quand même la maison, le foyer. On a la maison, le foyer. On a le refuge. La peur. Peur. Peur de la séparation. Peur de l'engagement pour certains. Peur de l'engagement. Peur de nouveau se séparer. Le savoir, la négativité. Vous avez, c'est bizarre, je sens que vous avez, pour certaines personnes, vous avez aussi peur de savoir des choses qui pourraient être négatives. Vous préférez faire l'autruche. Donc, le cœur blessé, donc ici, on a la compréhension et on a la blessure du cœur. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous voulez faire entendre à quelqu'un, dire à quelqu'un, et quelqu'un vous a blessé et vous allez comprendre. Ou vous avez blessé quelqu'un, peut-être. Mais il y a quelque chose qui... Il y a de la compréhension. On comprend. Alors, soit on comprend ce qui se passe parce qu'en fait, vous avez compris que la personne a le cœur blessé de par quelque chose qui s'est passé dans sa vie, d'avant, de son enfance. Donc, c'est quelqu'un qui a le cœur blessé. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi, le pourquoi du comment. On a la lettre, donc ici on vous demande de lâcher prise avec, il y aura des échanges, la correspondance. J'ai une relation, j'ai la triangulaire. On va revenir après. Réconciliation et j'ai la triangulaire. La nouveauté, le secret. Donc il y a bien quelque chose de caché ici. Il y a bien quelque chose de caché, de secret, quelque chose qu'on ne dit pas. L'enfant et la guérison. Ok, ici il y a quelque chose qui va fonctionner finalement, parce que souvent les couples qui ont été mariés et puis qui se remarient par exemple, souvent ça ne va pas quand même. Donc ici apparemment il y a les choses qui s'arrangent. En tout cas il y a une certaine guérison. Il est possible que ce soit la guérison d'un enfant ou la guérison de quelque chose que l'on doit faire. Voilà les amis, donc on a de toute façon avec le monsieur l'équilibre, la madame qui se regarde de toute façon, le trèfle et le positif. Et qu'est-ce qu'on retrouvera alors? On retrouvera la stabilité. On retrouve la stabilité, tout simplement, dans le couple. Et la sexualité. Ah. Magnifique. Magnifique.
Voilà, pour l'amour, c'est beau, hein? C'est beau. Donc on se retrouve, je vais peur, ah oui, non, je vous l'ai dit, peur d'une séparation, etc. Mais ça va, ça va, ça va. Si vous désirez vraiment vous réconcilier, et si vous aimez vraiment et sincèrement la personne, et que c'est réciproque, évidemment, ça va se remettre, de toute façon, ça va se remettre. Et là, j'ai la plume, donc on a la légèreté, donc on va se sentir bien, on va juste se sentir bien. Voilà. Bon, j'arrête, hein. Sinon je vais encore prendre tout le jeu. Voilà les amis pour le tirage d'amour. Bon, il est vraiment joli aussi ce tirage. Les choses qui s'arrangent. Ouais, tout s'arrange, tout s'arrange. Et là j'avais la sérénité. La carte de la sérénité. Donc, on fait le oui-non? Alors, ceci, c'est le Line of Love de notre amie Irène. Irène Rust-Tarot. Ça, c'est la pause, le break, si ça vous parle. Et nous aurons le petit l'Iris le Normand, plutôt, donc d'Irène aussi. Donc, vous pouvez vraiment aller faire vos emplettes, si vous le désirez. J'ai encore des jeux à présenter, hein, mais... Oh là là. Alors, oui ou non, posez votre question, une question qui doit être fermée, donc qui demande un oui ou un non. Ouh, un enfant, un déménagement, un ex qui revient, une ex qui revient. On fait un choix, on fait le choix par rapport à un ex ou par rapport à une ex. On reconstruit un foyer, on construit un foyer, c'est bizarre. Hein. On construit un foyer où ça ne me parle d'enfant aussi. Ah oui, on sent qu'on trouve une solution pour régler nos problèmes et pour vraiment être bien ensemble. Il y a vraiment une solution qui va être trouvée. Une grossesse peut-être. Oui, c'est très possible. Oh, il y en a qui avaient des difficultés à tomber enceinte. Bon, allez. Je suis en train d'admirer les cartes. Allez, on y va. Oui ou non? Oui avec l'anneau, non avec la croix. On y va. Hop, je coupe. L'arbre et les nuages. Petit souci de santé passager. Alors, je suis pas médecin. S'il y a quelque chose qui ne va pas, docteur. Allez, on y va. 13 cartes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8, 9. Donc ici, on a le nom. C'est non, les amis. Je regarde quand même. Ces jeux sont d'une qualité exceptionnelle. Ah, voilà. L'anneau était beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà. Bon, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une autre vidéo, peut-être. Certainement. Peut-être. Petite que oui, petite que non. Gros bisous, les amis. J'espère que le son a été. Je pense. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite vraiment une merveilleuse semaine. Et puis, oui, on approche vraiment de la fin de l'année. On va terminer le mois de novembre. Et puis voilà, voilà. Gros bisous. Merci. Vous pouvez liker, abonnez-vous, partager les vidéos. Je vous fais des bisous.